the music. Bon matin les gens, il est présentement 9h34 du matin. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on reste en mer. Donc ça va être une très belle journée justement pour parler du bateau au grand complet. Savoir un peu qu'est-ce qu'il y a sur le bateau, qu'est-ce qu'il y a à faire pendant une journée au complet. Surtout que vu que j'ai vlogué pendant à peu près 4-5 jours, j'imagine ça va être cool pour vous de voir un peu tout le bateau, savoir un peu qu'est-ce qui se passe, où ce que les bars vont être, où ce que les restos sont. Et je pensais que ça aurait pu être intéressant à filmer pendant une journée en mer. Il y a une charte de tous les niveaux. Donc il y a de 2 jusqu'à 15. À chaque niveau, ils vont avoir une charte comme celle-ci. Comme exemple, celle-ci, elle est hors limite probablement. Donc par la suite, on a des cabines, d'autres cabines, des ascenseurs, des escaliers, le passport bar, le shore excursion, des toilettes, des escaliers également, d'autres ascenseurs, les grandes marches, puis le guest relation. Donc, hop, la grande cuvée également. Il y a également un resto. Là, on est au deck 4. Le deck 3, il y avait quand même beaucoup de choses à regarder, mais pas comme le 4e, parce que le 4e, il y a les bars. Si je me trompe pas, il y a un casino. On va aller regarder la charte juste à côté de l'élévateur avant, mais j'ai très très hâte de vous montrer la 4, parce que sérieusement, je pense que c'est celle-là qui est le plus intéressant. Pour commencer, le devant du bateau, il y a le théâtre. Il y a ensuite des toilettes, des élévateurs. Il y a ensuite des marches. Le casor, qui est comme un genre de petit bar slash club. Ensuite, le Celebrity Santo, je sais pas c'est quoi, je me rappelais plus. Shop on the Boulevard, ça c'est dans le fond toutes les, il y a plein de magasins. T'as ensuite le Fortune Casino, le Martini Bar, le Cellar Bar, les élévateurs, des marches, d'autres toilettes, la grande cuvée. Dans le fond, la grande cuvée, c'est un restaurant, que ce soit de dîner, souper et déjeuner. Et puis eux, ils sont de 2 étages. Le grande cuvée, c'est un restaurant à 2 étages parce que justement, on est au-dessus de 2700 personnes sur le bateau. J'ai retiré 20$ américains, savoir si peut-être j'aurais de la chance dans le casino. Là, je suis au Coin Pusher, juste ici. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube un peu à savoir comment faire et comment avoir une meilleure chance dans ce jeu-là. La place que j'aimerais le mettre, ce serait juste là. Putain. Ah, bordel. J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. Ah, c'est 90 cents.
ce moment, on est au cinquième étage. Le devant, il y a encore le théâtre. Ensuite, on a des toilettes, on a des ascenseurs, des marches. Ensuite, on a les galeries boutiques en haut. On a digital photo, on a photo-galerie, portrait studio, galerie de boutique, les galeries d'art. On a des galeries où on peut goûter des trucs. On a un café où on va chaque matin. On a également le bistrot On Five, qui est un genre de petit resto. On a ensuite des toilettes, les marches, les ascenseurs, encore une fois. Ça, c'est les ascenseurs principaux. Ensuite, on a le Celebrity Destination. On a l'Ensemble Lounge. On a un Michael's Club, Murano, qui est des restaurants. On a ensuite des toilettes, la cuisine. On a le Blue, qui est un autre resto. Et on a le Toscan également. De prendre ce relax aujourd'hui, de pas faire tout le bateau parce que de toute façon, je m'attendais vraiment que ça soit moins long que ça, mais c'est vraiment vraiment long. C'est peut-être une heure par niveau. J'ai fait trois niveaux aujourd'hui. Puis ça m'a pris 3 heures juste de faire ces niveaux-là. Donc, je vais prendre ça plus relax, je vais aller me baigner, je vais aller passer un peu de temps avec ma famille. En même temps, je voulais parler d'un petit quelque chose. La première soirée qu'on a resté sur le bateau, j'ai mangé du filet mignon. Excellent filet mignon. Où est-ce qu'ils store toute leur bouffe? Il doit avoir un freezer en quelque part, mais je veux dire, c'est tellement de la bonne viande. Puis en plus, on est 2700 passagers sur le bateau, donc est-ce qu'ils prennent 2700 filets mignons à part et ils mettent ça dans un frigidaire, ou est-ce qu'ils prennent, exemple, juste 1000 morceaux, puis si jamais il y en manque, ils en recommandent? C'est tellement surprenant, sérieusement, parce qu'il y a tellement de trucs, même l'alcool, les verres, même les petits mémos à la porte. Des fois, on a des mémos à chaque jour. Puis ça, c'est sur 2700 portes. C'est fou. J'aimerais partager, par contre, mon expérience sur ma première croisière. Ce que je pense est le plus magique, c'est le fait que c'est tellement spécial, sérieusement, c'est dur à expliquer. Déjà, juste le fait de partir, juste le fait de sentir le bateau bouger, ça, c'est vraiment un feeling qui est astronomique, sérieusement. Il faut vraiment être sur une croisière pour comprendre ce feeling-là, parce que, sérieusement, il n'y a pas d'autre place où vous allez trouver ce feeling-là. Présentement, minuit et demi, je peux vraiment pas parler fort pour la simple bonne raison que tout le monde dort. Moi, j'ai... Ce soir, c'est la première journée où ce que le bateau fait vraiment des va-et-vient et que c'est quand même relativement désagréable. Je dis pas que c'est vraiment un gros turn-off de la croisière, c'est pas ça du tout. C'est juste le fait que ça donne vraiment mal au cœur.
On a écouté un film, moi et ma soeur, tranquillement, pas vite, après le souper qu'on a mangé. En passant, le souper était énorme. Le fait d'être couché sur mon lit en regardant un film, à essayer de se concentrer sur un écran, m'a tellement donné mal au cœur que j'ai dû me lever, sérieusement. J'ai dû essayer de faire quelque chose d'autre parce que, sérieusement, c'était vraiment pratiquement insupportable. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les gens, en espérant que vous avez bien aimé la vidéo, les gens. Commentez, likez, partagez la vidéo si ça vous tente. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait un énorme plaisir. Également, likez la vidéo, ça me ferait un énorme plaisir. Et puis là, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Yeah.